Et bonjour à toutes et à tous, c'est Hunter X Fishing. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 4 leurres insolites. Donc, c'est parti. On commence avec la cuillère vrillée. Donc, elle est beaucoup utilisée en Russie. Donc, là, vous l'avez en image. De par ses énormes vibrations. Et elle brille tout comme une cuillère, quoi. Elle a les reflets, pareil qu'une cuillère basique. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense que ça va marcher si on aussi l'utilise. Après, nous avons le leurre Zizi que tout le monde connaît, ce fameux leurre. J'ai évité de dire trop de fois le leurre Zizi pour pas se faire couper la vidéo, quoi. Donc, ce leurre, il a fait un énorme carton au Japon. On se demande pourquoi, je pense que c'est parce qu'il est insolite. Voilà, on s'attend pas à un leurre comme ça, franchement. En tout cas, apparemment, il marche très bien sur les brochets. Et pourquoi pas? Tant qu'il y a un hameçon et qu'il y a des couleurs, pourquoi pas? Moi, je pense que le poisson ne voit pas que. Voilà, il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Hein. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Dans le même délire, nous avons le Jig Zob. Donc, à skip, il fonctionne aussi sur les brochets. Et il est assez particulier comme leurre. Pareil que le leurre Zizi. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'il marche plutôt bien parce qu'il a des reflets, du coup, argentés et or. Tout dépend de la couleur. Et du coup, je pense que ça doit briller dans l'eau. Et c'est pour ça que ça attire le fish. Si vous voulez que je teste ces leurres insolites, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà. Donc pour le dernier leurre, c'est un leurre souple dont j'ai pas le nom. Il est très très bizarre, regardez-le en image. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un espèce de gros ver, une grosse larve. C'est assez spécial, je trouve. Donc peut-être pour Black Bass. Mais est-ce que ça a une animation spéciale? Je sais pas du tout. J'ai essayé de regarder sur internet, j'ai pas trouvé. Donc à vous de faire votre propre opinion en commentaire. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo sur les 4 leurres insolites, n'hésitez pas à t'abonner. C'était Hunter X Fishing. Et ciao!